Entre Siméon a été envoyé à la ville de Rouen pour instruire les moines. Et on a aussi des échanges épistolaires qui nous parlent des manuscrits aussi envoyés, des livres de l'office et de la messe. En parlant de répertoire, puisque je parle des messes et offices, enfin, même si la messe et l'office sont étroitement liés, la composition de ces deux blocs, pour ainsi dire, liturgie, n'est pas du tout la même. Et vous parlez dans votre ouvrage de l'origine de l'office. C'est le moment, je pense, de parler de. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est pour le chant lyrien, c'est le chant lyrien de la messe. Alors, il y a un jeu de mots entre la messe et la ville de Metz. En français, on dit Metz, ça s'écrit Metz. Mais enfin, c'est la même chose, il y a un jeu de mots, mais il s'agit de la messe, la Missa Solemnis. Par contre, à Rome, il y avait bien sûr, il y avait la messe, mais il y avait aussi les chanoines du Latran, et puis d'autres communautés religieuses qui avaient leur office propre. C'est alors l'office, c'est la messe, mais c'est les vigiles, les matines, les laudes, les vêpres et leurs petites heures, tiers, sextum, prime et puis compli. Et alors ça, c'est un répertoire qui était chanté par les mêmes chantres que pour la messe, mais c'est un répertoire complètement différent parce que la messe est toujours solennelle et suppose toujours un concours de peuple, tandis que l'office dont je parle là est peut-être en privé. Quand on dit les vigiles, il y a peu de fidèles qui assistent à la célébration des vigiles. L'office a beaucoup plus de particularismes locaux que ne peut en avoir la messe. La messe a été toujours, soit pour les textes des oraisons, par exemple, ou la structure, ou bien pour le chant, a été toujours respectée d'une façon minutieuse dans toute la tradition, comme avec la même précision qu'on a voulu transmettre la parole de Dieu. C'est assez beau de voir qu'il y a un parallèle entre la transmission de la parole de Dieu dans la Bible, et à travers les siècles et les espaces, et puis la transmission du chant grégorien, sa liturgie. Sur l'office bénédictin, vous avez fait des découvertes qui me semblent fort intéressantes. Pourriez-vous nous en parler brièvement? Parce que je sais que enfin, ceux qui souhaitent approfondir sur la question, ils ont toujours la possibilité d'acquérir votre ouvrage. Alors, je crois que là que vous allez un petit peu trop vite, il faut revenir encore sur l'office romain. L'office romain, donc, lui aussi a été transporté. Il faudrait mettre une question. Hein. L'office romain a été transporté en même temps que la messe, depuis la ville de Rome jusqu'à la ville de Metz. Mais il n'a pas été transformé du vieux romain en une autre mouture qu'on peut appeler grégorienne. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Ça s'est fait probablement vers l'an 800 à Tours, donc à 400 km de Metz, mais c'est pas très très loin quand même, ou 500 km de Metz, et sous l'égide de Alcuin, qui était un moine anglais, d'origine anglaise, qui était on peut dire, le mot serait imparfait, mais enfin, le ministre de la culture de Charlemagne, qui était l'une des grandes figures spirituelles et doctrinales et liturgiques, bibliques de Charlemagne. Et alors, Alcuin a été nommé par Charlemagne abbé de Saint-Martin de Tours en 800, et il est mort 4 ans après, mais il avait lancé la transcription ou la transformation ou l'inculturation du chant vieux romain de l'office en un chant grégorien de l'office. Et alors là aussi, on sait la date parce qu'il n'existait pas. On a déjà des antiphonaires grégoriens à partir de 819 environ, justement. On sait cela par le relevé des bibliothèques de Rouen, de Saint-Vendry. Et donc, on est sûr que dès le début du 9e siècle, on a des antiphonaires de type grégorien. Et donc, on peut savoir que le grégorien de l'office, l'office grégorien, a été fait avant 800, 820. Et puis, alors, l'origine tourangelle se prouve parce que ben, les saints qui sont dedans et qui s'ajoutent aux saints des calendriers précédents sont les saints Tourangeau, saint Martin, saint Brice, donc les deux évêques de Tours et des grands, surtout saint Martin qui est un géant de la sainteté dans l'Antiquité et encore aujourd'hui.
Et puis Saint-Maurice, qui était le titulaire de la cathédrale de Tours, et Saint-Florien, qui avait un culte aussi, qui était célébré par un culte à Tours. Et donc, tous dans l'antiphonaire grégorien nouveau, on a ces quatre saints et qui montrent que l'origine était tourangelle, et puis autour de l'an 800 et sous le patronage de Alcuin. Charlemagne a voulu faire l'unité de son royaume, de son empire, on l'a dit d'une façon politique, d'une façon religieuse, et en particulier, il a fait l'unité monastique en imposant la règle de Saint-Benoît à la plupart des communautés monastiques qui existaient au 8e, 9e siècle et qui avaient des règles assez variées, soit des règles de Saint-Césaire, par exemple, soit des règles venant d'Irlande. Et Saint-Charlemagne et ensuite d'autres conciles, ou à travers des conciles d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne a fait diffuser la règle de Saint-Benoît. Et donc, il a imposé cette règle aux communautés monastiques qui ont été obligées de prendre un chant adapté, ou adapter leur chant plutôt, à cette règle nouvelle. Et donc, ils sont partis du chant grégorien que utilisaient les chanoines de Tours pour en faire un répertoire un peu plus agrandi, qui est à peu près le même, mais agrandi, et qui était propre à la règle de Saint-Benoît et à ses usages liturgiques. Il y a aussi la figure de Saint-Benoît d'Anian. Alors, c'est Saint-Benoît d'Anian qui a été l'un des grands agents de Charlemagne pour imposer cette règle de Saint-Benoît, mais le patronage chez Hilduin est à Saint-Denis. Diffusion de l'office bénédictin se fait à Saint-Denis, puisque dans tous les antiphonaires bénédictins grégoriens, on a la mention de Saint-Denis, qui était un grand saint, mais enfin qui ne méritait pas en tant que tel d'être diffusé partout. Et on sait que Hilduin, qui était abbé de Saint-Denis, a fait passer son monastère d'une règle canoniale à une règle bénédictine en 834. Donc on sait que le chant bénédictin grégorien et date de 834 environ et qu'il a été diffusé à partir de Saint-Denis sous l'égide de Hilduin. Et depuis, le chant grégorien est une caractéristique essentielle à l'office bénédictin. Nomonial de Jouk, que nous avons le plaisir d'enregistrer tous les jours et puis de diffuser dans ce projet NEMS, cultive depuis la création de l'abbaye. Et ces chants grégoriens, l'office bénédictin que nous présentons, c'est l'office que nous, la messe et l'office que nous partageons avec nos souscripteurs. Je pense que c'est un lien à travers l'espace, à travers l'Église. Depuis 1200 ans, on a du grégorien, on chante du grégorien. Alors, soit pour la messe, soit pour l'office, qu'elle soit en forme séculière ou en forme bénédictine, c'est un lien très fort parce que 1200 ans de communion dans la louange divine, c'est très fort. Et alors, bien sûr, c'est l'Église latine, mais enfin, c'est déjà très beau. Et puis, c'est autour du pape, l'origine pontificale est derrière.